Vous êtes sur RTL. J'aimerais qu'on reparle de l'historique de cette affaire. Elle m'a fait avoir je ne sais quel maître d'œuvre qui a fait ma maison, je ne sais pas quoi, avec soi-disant la machine à café. Non, c'est vous qui avez voulu la prendre. Intégré dans les murs. Moi, j'ai dit qu'il fallait une espresso. C'est lui qui a voulu. Le top du top qu'il faut acheter du café moulu que tu mets dans. Ça, deux ans que j'ai pas bu de café dans ce putain de truc. Je vous l'avais dit. Mais c'est vous qui avez voulu ça. Avouez que vous ne regrettez pas l'urinoir. Deux ans, tout ça à cause de là le marchand. Pas du tout. Ah, c'est vrai, des fois, t'es bon plan dans son corps. Il a quand même une belle maison. Ah, hein, quoi, Laurent, quand même une belle maison, Laurent. Une très belle maison. Oui, bon, la voilà, maison. C'est oui. Pas décoratrice, d'accord. Il cherchait, on lui a tout fait, il est rentré, il y avait tout qui était dans la robinetterie en or, mais qui a ça aujourd'hui? Il a voulu absolument son truc à je sais plus combien de café moulu. Moi j'ai dit, c'est pas moi. Oh, ça c'est vous, elle a dit oui, ça c'est pas bien. Pas du tout, pas la cafetière. Elle a mis une plaque de la cafetière. J'ai dit c'est trop cher pour ce que c'est, prendre une espresso. Vous avez validé tous les devis. Ah oui, vous avez surfacturé tous les devis. Du tout, j'ai pas vu les devis. 20%. Pas du tout. Et vous avez eu un prix sur la taillère. J'ai même reconnu mes vieux vêtements chez les agriculteurs. Rires.